Caroline regarde son émission de télévision préférée, quand tout d'un coup, elle commence à avoir mal au ventre. Est-ce que c'est son tacos qu'elle a mangé la veille? Il était sûrement avarié. Elle se pose sur son trône. Et c'est à ce moment-là que, oh mon Dieu, elle accouche d'un bébé. Elle n'était même pas au courant qu'elle était enceinte. Mais de qui vient ce bébé? Est-ce de Brandon? Est-ce Josh le père? Ou peut-être Brian? On ne le saura jamais. En tout cas, c'est ainsi que commence l'histoire de la petite Marie. Ah, bon, il va aller voir. Je vais aller voir même. Coucou ma chérie. Salut maman. On mange quoi ce matin? On mange quoi? Tiens, il y a des pommes, des bananes. Mais moi, je veux pas une pomme, je veux pas une banane, je veux un Happy Meal. Ah, mais t'as pas le choix en fait, hein, y a que ça. Mais y a, dans l'Happy Meal, y a des jouets avec les brats. Je veux une brats. Bah, y a pas de brats, y a que des pommes et des bananes. Mais c'est pas bon les pommes et les bananes, c'est pas bon. Bah, tu seras obligé de manger des pommes et des bananes, t'as pas le choix. Mais y a des pommes dans le dessert Happy Meal aussi, si tu veux. Bon, dépêche-toi de les manger, je vais être en retard à mon travail sinon. C'est nul les pommes, crom, c'est nul les pommes. Sniff. Et pourquoi je vais à la crèche? Je suis grande, moi je peux rester à la maison. Non, tu vas à la crèche pour qu'on te surveille. C'est nul, ok, d'accord, on va à la crèche alors. Et dis-moi, maman, je peux rouler? Non, tu peux pas. Mais pourquoi je peux appuyer sur le klaxon? Non, tu peux pas, c'est dangereux. Mais moi, dans mon dessin animé, Patrouille, il roule, hein, et il est petit, hein, aussi. Hein. Oui, ben il peut. Lui, il a un permis. Tu peux me donner un permis, maman? Non, faut avoir 15 ans. Mais c'est dans longtemps, 15 ans, quand même. Eh bien, tu attendras. C'est au moins dans 36 ans, c'est beaucoup. Je vais pas attendre aussi longtemps, moi. Tu feras aussi des maths en rentrant. Ah, ok, bon, je dis pour rien. Bonjour, du coup, je vous amène ma fille. Donc, est-ce que vous pouvez la garder jusqu'à 17h, s'il vous plaît? Merci. Maman. Oh non, ma maman, elle m'a laissée à la crèche. Oh. Bon, bah, je vais essayer de me faire... tiens, une nouvelle copine. Oh. Et salut, toi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marie, et toi, t'appelles comment? Moi, je m'appelle Lola. Eh ben, Lola, c'est trop cool. Tu fais quoi, Lola? Tu joues? Oui, je joue avec ces cubes. J'essaie de faire une tour. Ouais, oh, mais trop bien ta tour. On dirait un gâteau. Ça se mange ou pas? Attends, je vais goûter. Ah, c'est dur quand même. C'est dur. Ouais, je crois que ça se met pas dans la bouche. Il y a d'autres jouets ici ou pas? Non, je sais pas. Il y a pas d'autres jouets. Et l'hippopotame, il est pas beau. Il est tout bleu. C'est moche le bleu. Du coup, d'ivoire, ça te dit pas genre on s'échappe d'ici, on fait comme les grandes et on va au cinéma. On va regarder un film pour les plus de 12 ans. J'ai peur. Ouais, un qui fait bien peur, comme ça. Avec des zombies. Oh, des zombies, ils auraient un Walking Dead trop bien. Ok, il faut y aller doucement pour pas qu'on se fasse voir. Voilà, viens, on y va doucement pour pas que la madame elle voit qu'on sort. Vite, faut courir, on va au cinéma. C'est au cinéma, tu sais c'est au cinéma ou pas? Ouais, on va n'importe où. Donc c'est un truc pour l'écran. D'accord. C'est... Oh, c'est joli, il y a plein de couleurs là-haut. Ouais. Ah, attends, il y a monsieur. Oh. On y a fait des bêtises. Désolé. Désolé, on ne sera plus ça. Bon. Oh merde, il faut que j'aille à l'école, je vais être en retard. Ah, vite.
coucou ma chérie. Oula, mais tu vas être en retard. Change-toi. Bah pourquoi? Je suis bien comme ça, non? Pas du tout. Va te changer, c'est trop vulgaire. Bon. Ok. Triste. C'est mon premier jour d'école, je voulais faire bonne impression. Je vais me changer. Où sont mes affaires? Ils sont là. Ok. Je pense que comme ça, c'est bon. C'est bon comme ça, maman? Comme ça. Allez, je prends mes clés et on y va. Non, je vais y aller à pied. Mais t'imagines, bon, premier jour d'école, tu m'amènes à l'école, c'est trop la honte. Bon, d'accord, si tu veux. Ok, bah, à plus tard, maman, bisous. À ce soir. Oh, vite, faut que je me dépêche. C'est vous déjà, mon entretien d'embauche, là, faut pas que je sois en retard. C'est pas bien du tout le premier jour. Bon, c'est où, c'est là. Oh, ouais. Ah, voilà, c'est juste là. Bon, allez, c'est parti. On y va. Bonjour, madame. Bonjour. Ben, comme c'était prévu, je viens vous déposer ma petite lettre de motivation, mon CV. Voilà, donc c'est bien pour être coiffeuse dans votre salon. Voilà, j'ai fait l'école de coiffure, là, comme vous pouvez le voir. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air un peu parfait quand même, votre CV, tout ça. J'espère que vous êtes quelqu'un de droit dans vos baskets, parce que j'en ai marre, moi, un petit peu, des jeunes qui foutent n'importe quoi sur la tête de mes clientes. Bah, écoutez, je vais vous faire confiance, et vous allez pouvoir venir travailler dès aujourd'hui. Vous allez faire un essai, et puis on verra bien, mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Vous avez l'air plutôt confiante. Ah bah, écoutez, c'est avec plaisir, je vais aller me changer tout ça, je vais aller prendre mes affaires. D'accord, à tout à l'heure. A few moments later. Bonjour. Oh bon, bonjour. Je peux vous aider? Oui, ça serait pour un brushing s'il vous plaît. D'accord, bah suivez-moi et on va s'installer juste là. D'accord. Vous asseoir. Hop là. Vous appelez comment? Je m'appelle Mike. Oh, Mike, vous faites quoi dans la vie, Mike? Architecte. Oh, mais c'est trop bien ça, en plus, c'est un superbe métier. Vous aimez bien? Vous avez voulu faire ça avant? Oui, j'ai fait plein d'études pour faire architecte. Ah, intéressant, c'est cool ça. Et, bah écoutez, et voilà le brushing. Il est parfait, vous en dites quoi? Vous aimez bien comme ça? Bon. Si vous pouvez faire un peu mieux, ça pourrait être un peu mieux. Enfin, bon. D'accord. On va mettre comme ça. Voilà. Oh, c'est parfait comme ça, c'est magnifique. Comme ça, vous aimez bien? Ah, bah, parfait, hein. Ouais. Parfait. Merci mademoiselle. Ou madame. Y a pas de souci. Alors ça fera 9 euros s'il vous plaît. Attends, je paye avec carte bancaire. Bon, allez-y, il y a le paiement sans contact. Hein. Ouais, parfait. Voilà. Et j'ai une petite question. Oui? Vous avez quelque chose à faire après votre travail? Bah écoutez, non, j'ai rien de prévu. Ça vous dit de venir au resto avec moi, boire un petit verre? Avec plaisir. Bah écoutez, je laisse mon numéro juste ici sur la table. Ça marche. Ah ok, je vais noter ça. Ok, bah je finis à 19h, donc voilà. Okay. Bah à tout à l'heure. Tu m'appelleras quand tu sors de ton boulot, quoi. D'accord, bah je t'appelle. À plus tard. A few moments later. Mon Dieu, j'espère que si c'est négatif. Oh merde, c'est positif. Oh non, faut que je lui dise. Oh, ok. Ok. Bon, il faut que je te dise un truc, bébé.
Oui, qu'est-ce que tout ce que tu veux. On va être parents. Regarde le test, il est positif. On va avoir un bébé. Non, c'est pas une blague, on va avoir un bébé. Non. Si. Mais tu manges le test, là. Ce serait pas très hygiénique, vu que je viens de pisser dessus. Non, mais tu me fais un bisou, bébé? Allez, bisous. Mais attends, mais... Mais tu te rends compte de ce que tu viens de me dire, là? J'espère que c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Regarde le test, il est positif. Attends. Regarde. Regarde. Il est positif. Non. Ah ouais. Bon. Pourquoi? Mais attends, regarde, bébé, regarde. Il y a des gens devant chez nous, là. Mais... Mais c'est qui, ça? Mais non, mais... Ils font quoi, attends. Là? Attends. J'arrive. Vas-y, bébé, casse-leur la gueule. Je veux te battre, toi. Allez, viens. Ah, t'es là, Sandrine. Comment tu vas, Sandrine? T'as bien dormi? Ah oui, et toi? Bah écoute, ça va, je voulais te dire que j'ai discuté avec ton père là au téléphone et du coup bah cette semaine tu restes avec moi et la semaine prochaine c'est lui qui a la garde. Oh oui, trop cool, je pourrais manger des glaces chez toi. Chez moi? Oui, c'est toi. Ok, mais pas après 22h hein. Mais toi t'es méchant, tu veux pas que je mange des glaces après 22h? Papa il te laisse manger des glaces après 22h? Oui, beaucoup. Beaucoup. On va voir que je l'appelle alors. Hein. C'est pas très bien, jeune fille, hein, de manger des glaces après 22h. Et il te laisse te coucher à quelle heure, papa? À 2h du matin. Quoi? Alors là, je vais... Ah, c'est pas bien, ça. Et après, et tu fais quoi? Tu te réveilles à quelle heure? T'arrives à te lever pour aller à l'école le matin, après? Oui, je me réveille à 4h du matin. D'accord, ok. D'accord, maman, d'accord. Va m'acheter une glace. On va m'acheter une glace. Maintenant. D'accord. Allez, viens. Oui. Je viens en pyjama, je m'en fous. Maman, tu pourras plus m'acheter de glace. Mais de toute façon, je vais prendre ton argent, je m'en fous. Pourquoi t'es partie? Alors, salut mes chéris, je te retrouve dans la vidéo à un enterrement. Alors, voilà, c'est une madame, je la connaissais pas, mais bon, c'est pas grave. Mais ma petite cuvette, ouais. Voilà. Elle me s'appelait Marie Moutarde, vraiment un nom à la con, mais bon, c'est pas grave.